Commandant Robinson ? Tam ? Mike ? Il y a quelqu'un ? Où êtes-vous ? C'est quoi cet endroit ? Oh, mais qu'est-ce qui... Saya. Qui était-ce ? Où je suis ? Comment est-ce possible? Quelle est cette planète? C'est le métahédron qui nous a amenés ici? Extraterrestre. Signal de détresse SCAR détecté. Un signal de détresse du SCAR. Ça doit être un des membres de l'équipe. Il faut que je les rejoigne. Cette épave, elle vient de l'Hermès. Elle a dû se détacher lorsque le vaisseau est entré dans l'atmosphère. Un sac à dos du SCAR. Il est vide, mais ça reste utile. Ce découpeur électrique peut venir à bout des matériaux les plus résistants. Je ferais mieux de l'emporter. Ah!
Journal de bord. Forme de vie invertébrée aux pattes articulées, type arachnoïde. Corps réduit, déplacement rapide, semble évoluer en groupe. Il doit s'agir d'une sorte de porte. Mais il n'y a pas de mécanisme de verrouillage apparent. Journal de bord, la porte présente un système conducteur interne. Les trois points sur son pourtour semblent réactifs. Une décharge électrique ciblée pourrait déclencher une réaction. Il y a forcément quelque chose qui pourrait me servir à ouvrir la porte. Je ferais mieux de fouiller les environs. Journal de bord. Cette plante n'a pas le moindre chloroplaste, ce qui sous-entend qu'elle ne peut pas faire de photosynthèse. Étrange. Augmente la tension. Juste un peu. Il ne faudrait pas griller la bobine. Voilà. Excellent. Nous avons réussi, Kate. Je me souviens de ça. Mike et moi finissions notre expérience juste après le décollage. Le verra. Il est encore intact. C'était quoi ça ? Journal de bord. Les glandes salivaires concentrées dans la tête permettent à la créature de cracher une sécrétion venimeuse. Les tissus musculaires sont particulièrement sensibles au feu. J'ai l'impression de nager dans les entrailles. Journal de bord. Grand organisme aux pattes articulées. Les substances chimiques dans son abdomen peuvent exploser lorsqu'elles atteignent une certaine température.
Encore un de ces piliers. Journal de bord. J'ai trouvé un étrange cube extraterrestre. Il émet des ondes neurales. Cela signifie qu'il est capable d'envoyer des informations directement dans le cerveau. Journal de bord. J'ai trouvé un... d'entrelacs de tissu. Il faut que je trouve un moyen de passer. Journal de bord. Des tissus organiques robustes, mais les pustules semblent remplies d'éther métallique. Probablement inflammable. Journal de bord. Il s'agit du cocon d'une créature indigène. L'enveloppe semble hautement inflammable. Il contient un organisme au dernier stade de son développement. Je ferais mieux de ne pas y toucher. Cet équipement, il provient de l'Hermès. Mais nous y étions il y a une heure à peine.
Le commandant Robinson adore ce bouquin. Tout est recouvert d'une sorte de résidu organique. Journal de bord du commandant Richard Robinson. Depuis le moment où j'ai mis le pied hors de l'Hermès, j'ai... Ça empire. L'excroissance. Il faut que je l'extraie. J'ai récupéré quelques composants électriques. Je devrais pouvoir fabriquer quelque chose qui produit des flammes avec l'Unimo. Brûler l'excroissance! Il faut purifier le corps! Depuis qu'il a mis le pied hors de l'Hermès, mais nous venons d'arriver. Sa voix est différente, furieuse. Peut-être que... Oui, je peux imprimer un émetteur sur mesure avec l'Unimo, le relier au module thermique et fixer tout ça sur le cadre de la soudeuse. Ça devrait pouvoir calciner cet entrelac de tissu. Et j'embarque l'Unimo.
Je ne vois pas de point d'énergie sur cette porte. Ils sont peut-être de l'autre côté? Thank you.
journal de bord. J'ai fait l'inventaire des fournitures médicales pour notre mission. On a des trucs puissants. Des boosters, des stimulants, des bioactivateurs. Je sais que notre mission comporte une grande part d'inconnu, mais ça me paraît un peu excessif. Qui dans ces merdes succès, il faut croire. Incroyable! À quoi peut bien servir une structure aussi colossale? À transférer de l'énergie? Jusqu'où irais-tu? Le sac à dos de Robinson. Il est passé par là. Je ferai mieux d'examiner les environs pour retrouver sa piste. Son sac est complètement recouvert d'un résidu organique. Robinson doit avoir perdu l'équilibre et saisi cette pierre. On dirait qu'il avait du mal à marcher. La botte de Robinson. Apparemment, il se dirigeait vers l'eau. Des organismes carnivores semblables à des vers qui sécrètent une salive acide. Ça détruirait ma combi et ma peau en quelques instants.
Il avait du mal à marcher, mais il s'est enfoncé dans l'eau infestée de vers. Les vers se sont rassemblés autour de lui. On dirait qu'ils ont fusionné avec son corps. Qu'est-ce qui est arrivé, Richard? Son signal vient de l'autre côté. D'une façon ou d'une autre, il a franchi les vers. Je ne tiendrai pas un instant, mais il faut bien que j'arrive à passer de l'autre côté. De ce côté, j'arrive à voir les points d'énergie de la porte.